Retour sur la cendrée ce jeudi avec un quintet ayant pour cadre le parcours classique de la grande piste. 2700 mètres à parcourir, 13 partants, tous au même poteau. Ma sélection en 6 chevaux est dominée par Goélando Fort, qui n'a trouvé que Gone Boy sur ses images pour lui barrer le chemin du succès. Ce jour-là, il devait rendre 25 mètres, ce qui ne sera pas le cas ce jeudi. De retour sur un parcours où il n'a jamais failli, c'est mon favori. En second choix, j'ai retenu un autre cheval en forme et souvent en réussite dans les événements. Gaspard de Brion vient d'enlever le 5e quintet de sa carrière sur le parcours qu'il retrouve. C'est une base solide. Déféré des 4 à bon escient dans ce meeting, mon troisième atout a surtout été vu sur des parcours de vitesse. Bilo Jepson n'est pour autant jamais descendu du podium en 5 tentatives sur des parcours de tenue. Gamay de Liton vient en 4e position dans ma sélection. Il vient de remettre les pendules à l'heure, il est présenté en mode course et s'élancera avec la confiance de son entraîneur. Il a assurément sa place dans le quintet et peut même lutter pour la gagne. Après une semi-rentrée, tous les feux semblent au vert pour Falco Davaroche en cette fin de meeting. El Greco Bello complète ma sélection, son entraîneur le croit capable de décrocher une place, comme il le fit avec assiduité tout au long du meeting. En résumé et en chiffres, ma sélection en 6 chevaux est composée des numéros 13, 7, As, 11, 12 et 8. Ce quintet combiné vous coûtera 12 euros. Retrouvez l'analyse détaillée de cette épreuve, les dernières infos sur cette course et toute l'actualité du monde hippique sur le site equilia.fr.